C'est un plaisir pour moi tout, pour me capable accueillir nous ici là dans le lycée Noël Alexis. Moi c'est Émile Belfort, directeur lycée Noël Alexis. Et moi content pour me capable faire échange ça et puis profiter pour me saluer tout le monde qui branché, tout le monde qui a suivi l'émission ça. Année académique qui se passe là et nous sommes capables de dire que nous avons pile problème. Et nous sommes capables de remarquer que le problème a de grandes conséquences sur le résultat et examen officiel et même sur le résultat examen qui est fait dans la classe. Et nous recommençons là avec tout problème. Il n'y a rien qui change. Mais nous prenons des mesures, nous avons fait effort pour ne pas enregistrer un résultat aussi catastrophique que l'année dernière. Alors, résultat, en parlant de résultat catastrophique, au niveau de la grandeur, nous connaissons un résultat catastrophique à Nessa. Donc, lycée n'a pas épargné, nous n'avons pas eu un résultat qui est vraiment satisfaisant. Mais le problème, non, c'est un problème qui étendu sur la grandeur. Bon, lycée Noël Alexis, son établissement public. Moi, c'est l'État même qui doit prendre des mesures pour que nous pas essuyer échec encore année qui vient. Donc, c'est vrai, comme étant responsable au niveau local, responsable établissement, nous gagnons des palliatifs, nous utilisons des mesures pour pallier la situation. Mais comme le problème n'a été national et il était encore en gros, donc c'est l'État qui peut prendre des mesures. Non seulement pour le département grandeur, mais pour l'éducation en général, pour que nous soyons capables de faire bons résultats, non seulement dans l'examen officiel, mais pour remoquer le système éducatif, là, nous sentons qu'à plonger. Depuis avant même résultat, alors, le nouveau année l'école là, est terminée avec un pile problème, nous avons décidé pour planifier pour comment nous sommes capables de faire la différence, porter quelque chose de nouveau pendant l'année scolaire. Nous mobiliser staff là, équipe nous faire rencontre avec professeurs et bientôt nous allons rencontrer parents et tout. Nous prendre des mesures pour nous voir comment nous capables de présence professeur dans la salle de classe. Nous prenons des mesures pour que nous soyons capables de gagner une présence élève qui est souvent irrégulière. Nous avons quelques cas côté élèves qui ne pas venir, qui parlent tout le temps. Nous avons quelques cas côté Timounio à cause de grand goût, ils n'ont pas arrêté pour une heure. Nous parlons comment nous-mêmes, beaucoup de panneaux, pour nous obliger à arrêter. Bon, obligé de rester à ces jours, mais nous connaissons tous les gens qui ont grand goût. Moi, c'est ça qui fait me sentir. Il faut que les choses qui sont faites, surtout pour les lycées, les gens parents, et pas les gros moyens, pour les gens manger. Parce que les gens qui sont là, ils sont dans seulement ils sont venus à l'école. Depuis 11 heures, ils ne sont pas à Kimbe encore. Et ça fait, depuis midi, la barrière a ouvert. Même si les gens ont un coup, ils peuvent aller chercher sauver. Parce qu'ils ne pas qu'à Kembe, ils viennent l'école là sans manger. Donc ça c'est un gros problème manger. Nous-mêmes, beaucoup de temps, nous avons fait ça, nous capables, mais il y a quelques bagages qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, Timounio pas manger, mais au niveau de direction, nous ne pouvons pas faire rien. Nous capables d'empêcher de sauver, nous capables de voir capable de présence professeur dans la salle de classe. Mais Timounio tout, non seulement Il n'y a pas mangé, il n'y a pas suivre, possibilité pour suivre quoi, chan yo ta de suivre li. Mais, si moun yo, nous remarquons tout,
pas assidu la caillou. Année ça nous prend une autre mesure sur question téléphone parce que nous réaliser téléphone là qu'on a un problème tout. Les petits monde vient l'école avec téléphone là, les parents professeurs, il y a regarder des films. Donc nous interdit au téléphone pas fonctionnel dans la salle de classe et sous la cour l'école là. Donc petit monde vient l'école la suivre pour la classe là, les professeurs, les parents professeurs vont prendre cahier pour le font garder. À faire regarder et téléphone, à regarder film dans téléphone, ou bien à faire photocopie tableau et sans pas copier rien, ça nous strictement interdit. Donc, tout le monde qui vient de l'école avec téléphone à Néa, bon, ça nous prohibons, nous mettons fin dans la question ça, et en façon pour tout le monde capable sous ça, parce que là, venir avec téléphone, non, c'est sous téléphone dans l'esprit. Oui. Donc ça, c'est des mesures et une façon pour nous capables de remédier à la situation. Ça. Et première semaine, bon, comme dit où, c'est hier nous déraper. Hier, qui était 7 octobre. Là. Nous déraper avec un effectif de 60% environ. 60%. Mais professeur Nouyo, nous voyons commencer. Ils ont bien commencé, mais espérer après comme ça, professeur Nouyo, à 80% moi là. Donc moi espérer ça beaucoup vini yo, yo ka gen ti handicap, y a vini quand même. Ben toute bagaille capable de marcher pour l'instant là. Et sauf que nous capable remarquer et gen ti monde qui poko soit qui poko vini dans ville là qui en dehors toujours. Qui poko vin dans la salle de classe. Donc, nous attendons pour tout le monde ça yo, pour être capable de venir à l'école là, pour nous déraper. Tout bon. Dans le niveau pas nous-mêmes, et si vous passez dans la discipline, après nous gagnons, il y a une liste qui fait passer. Donc, pour que nous soyons capables de recueillir information sur professeur qui pas vient travailler. Non seulement professeur Ali Douessien, s'il passe, moi fais passer l'autre liste pour nous capables de mettre nos professeurs qui pas vient travailler là, combien elle doit fournir, combien elle fournit là-dedans, ou bien s'il pas fournit du tout, donc pour nous capables de faire rapport. Année ça, et chaque semaine, nous-mêmes dans le niveau direction, nous avons gagné. Et rapport professeur qui pas venu mais n'a cumulé dans fin mois pour nous acheminer dans direction départementale donc pour informer de dossier mes professeurs qui étaient absents pour moi nous même bon côté pas nous n'a pas fait ce que de droit professeur qui pas venu yo n'a pas blâmé yo ça qui pas motivé absence qui pas venir on a baillé les deux blâmes avec copie conforme en direction départementale et suivi à parce que non suivi à c'est direction départementale c'est ministère d'éducation nationale qui a fait suivi nous même n'a fait ce que de droit dans niveau pas non alors faut moi dire listeno Alexis pral fêter 120 ans d'existence. Parce que le lycée a fondé et le 5 avril 1905 avec Edzer Villers comme premier directeur lycée. Et en 2025, alors 5 avril 2025, le lycée va le fêter grandiosement 120 ans d'existence. Alors que nous n'avons pas de laboratoire informatique, nous n'avons pas d'internet dans le lycée, nous au dépourvu. Donc, lycée a été doué dans l'école pilote, lycée a été doué dans l'école côté peut-être même si l'autre école dans la ville là, il pas un laboratoire de sciences naturelles, de chimie, d'informatique. Nous-mêmes nous t'ai doué gagner comme première école secondaire publique qui dans la ville là, nous t'ai doué gagner de manière à ce que nous capable aider l'autre l'école ça. Et pour nouveau secondaire là, lycée nous Alexis c'est l'école pilote TTE avec lycée des jeunes filles. Mais yo vin généraliser nouveau secondaire là.
alors que l'heure était fait métal, nous dépourvu, donc nous même avec toute l'école qui est entrée dans le nouveau secondaire, nous n'avons pas gagné rien, tout. Nous n'avons pas gagné laboratoire informatique, nous n'avons pas gagné laboratoire de sciences naturelles, de chimie, nous n'avons pas gagné internet dans le lycée. Donc si ce n'est pas la direction qui organise l'achat d'un ordinateur, nous n'avons pas gagné, l'État n'a pas gagné rien. Donc toutefois, le lycée a besoin de matériel didactique, pédagogique, donc pour que tout le monde capable d'apprendre dans les bonnes conditions. Et surtout, nous vivons dans l'autre monde qu'on y a, côté ces technologies qui peuvent avancer, mais nous pas gagner matériel pour les gens capables de verser dans la technologie. Nous pas gagner rien. Bon, alors, ça m'a dit pour nous parler en pile sur la question ça. Et je ne pas voulu anticiper, mais nous décider, l'homme fêter grandiosement, c'est toute la ville, c'est toute ville Jérémy qui a en fait. Parce que nous avons gagné un grand défilé qui a fait dans la ville là, avec les anciens élèves du lycée et les nouveaux, et les élèves qui actuellement qui sont dans le lycée. Nous avons fait un gros défilé. Et puis nous avons gagné, alors forme du tout, nous avons déjà mis une commission d'organisation pour 120e ça. Comité ça c'est lui qui a planifié festivité. Et en termes d'activité, nous gagnons dans le programme, en gros, nous avons un défilé. Nous avons gagné une messe d'action de grâce. Nous avons gagné un tournoi sportif. Et puis, nous avons gagné tout génie scolaire avec les lycées frères, avec d'autres lycées. Nous avons fait génie scolaire avec d'autres lycées, même quelques collèges nous capables d'inviter tout. Nous avons gagné un tournoi sportif. Et puis, nous avons gagné une messe d'action de grâce. Mais ça a plus imposante. C'est va un défilé que nous comptons faire avec plusieurs fanfares pour nous capables de rehausser l'éclat lycée non Alexis pour nous capables de fêter le patrimoine ça et dans la ville. Donc, c'est ça que fait. Et nous voulons faire liaison avec tout ancien lycéen pour nous capables de collaborer, pour nous recommander capables de réaliser une grande fête pour saluer 120 ans ça lycée non Alexis Balguin. Donc quel que soit pays, un ancien lycéen, un ancien élève lycée non Alexis, donc nous prêts pour nous capables collaborer et ensemble avec lui. Et s'il t'a venir dans fête là tout ça va faire nous un pile plaisir, mais espérer a gain assez sécurité pour nous capables venir dans fête là. Donc pour nous comment nous capables revivre moment nous t'ai passé dans le lycée non Alexis, parce que moi à chaque fois me camper dans la coulissée et me senti m'a revivre l'homme de dans 7e dans le lycée, l'homme de qu'on a chanté hymne des lycéens, l'homme de dans 7e dans le lycée. Élève qui pas réussi yo, malheureusement ça moi même pas toujours souhaité, malheureusement yo pas gain possibilité pour y aller chita à l'école encore pour yo refaire classe là ou du moins pour yo prendre plus bête pour yo capable dans examen, donc pour y a automatiquement yo tomber dans bac permanent. Moi même j'ai toujours souhaité yo à l'école, mais comme c'est ça qui gain qu'on y a c'est bac permanent, m'a encouragé yo pour yo caser bête yo. Si yo joine cours rattrapage, yo pas besoin déçu. Alors faut moi dire tout. Et élève ça qui échoué a pas quoi. Yo plus mal que ça que t'es avant que t'es réussi. Ça me dit là il très fort. Élève nous gagne ou qui échoué là yo. Ça pas veut dire yo plus mal que ça qui t'es réussi dans année avant yo. Mais année ça moi quoi c'est vrai résultat. Elle me dit ça, yo bay résultat. Jean Lien correction en fait avec en pile rigueur et surtout te gain en question de grille de correction, correction en fait avec en pile rigueur. Donc résultat c'est ça. Et pas trop mais voulez questionner l'autre résultat yo. Mais moi même tout élève et qui très calé ici là au moins au passé. Donc
et ça t'a demandé pour tout élève faire effort parce que tout élève un coin dans l'esprit qui pas capable passer yo moi yo passer vrai donc l'autre élève yo doit faire effort pour que yo pas arrêter tout temps dans la question permanente. Donc, fais une préparation. Parle en permanent à la chance, mais fais une préparation pour aller en bac permanent. Et élève nous gagne qui fait aller, qui fait pral faire S4 kounia. Bon. Et hier, dans le discours d'entrée, de parler avec eux parce que le succès, c'est bagay ou construit même avec un kay. Donc, puisque kounia yo dans le mois d'octobre, commencez par poser et première pierre dans la construction succès. Yo. Donc, et moi, je suis tout motivé là pour que ça qui est passé l'année passée, pas passé encore, pour être capable de construire le succès et pour être capable tout bonnement passer du secondaire pour aller dans l'université.